Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à l'honneur, le Festival du cinéma italien qui se déroule à Bastia du 3 au 10 octobre. Et bien sûr, c'est une idée de chef, mais un chef italien. Notre chef, c'est Mirko Citti. Bonjour. Mais il n'est pas seul. Avec lui, Amaury Maigret, qui est sommelier, mais pas que. Pas que, directeur de la restauration de l'Ostella. Marina, bonjour. Bonjour. C'est un privilège d'être ici avec vous, en tout cas, aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous. Bonjour, Amaury. Buongiorno, Mirko. Bonjour. Come stai? Bene. Tutto posto, tutto è giusto? Tutto bene, sì. Tutto bene. Une très, très belle recette italienne, bien sûr. On va faire quoi? Cosa è? Allora, è una carbonara di mare rivisitata. Praticamente ho preso una ricetta che va dalla carbonara praticamente... Et traditionnelle. Picci alla carbonara di mare con oro in sale. Con oro in sale. C'est une recette 100% toscane de Sienne. Quel privilège. Si. Bravo. Si, si. Alors, vous savez que cette recette se déroule en deux parties. On va profiter de cette première partie pour parler un petit peu de cet événement. L'Ostella est à l'honneur. On est en pleine promotion de l'Ostella sur la semaine gastronomique italienne. Avec la chance et le privilège d'accueillir Mirko Citti, le grand chef italien du restaurant Amadeus 2.0. Amadeus 2.0. Viraggiero, à côté de Forte dei Marmi. Forte dei Marmi. Mais quelle belle région, n'est-ce pas? C'est une merveille. Je connais très bien. Et nous allons profiter, Amaury, pour faire un accord mets vin. Exactement. On va travailler aujourd'hui sur un vin avec une méthode champenoise. Très intéressant, de Lombardie, on a de jolies choses à pouvoir expliquer là-dessus, sur une dégustation également. L'alcool nuit gravement à la santé, ne pas abuser, il faut le dire et redire. Boire avec plaisir, surtout. Uniquement et avec modération. Donc ce vin, on le verra tout à l'heure. Oui. Maintenant, on va voir les ingrédients. On va montrer tout ce qu'il faut pour élaborer cette belle recette. La recette s'affiche en italien, on va faire la traduction. Hein. Partiamo dal prodotto che abbiamo noi nel mare. Sì. Abbiamo i gamberi, le vongole, le crevette. Allez-y. Sì. Abbiamo le capesate. Qui questo, palourde. Le vongole, le palourde. Mm-hmm. Abbiamo le capesante. Le Saint-Jacques, come parleremo in francese aussi. Abbiamo un bel calamaro. Oh, ça, tout le monde le sait. Calamaro, on a compris. Abbiamo le cozze. Moule. Poi io ho aggiunto le uova, della sì. tradizione della carbonara, sì. in più la pancetta. E qui si dice panzetta. Panzetta, sì. Nella tradizione italiana usiamo quella originale, usiamo il guanciale, la guancia del maiale. La joue. Io invece uso proprio la pancetta stessa. Donc c'est un mariage terre-mer. Exactement. Très bien. Sans terre-mer. Avec les pâtes. Qu'on appelle pichi. Pichi, che è un prodotto di Siena. Tipico fatto a mano di Siena, che è come uno spaghetto alla chitarra, però un attimino un po' più grande. Vous savez, moi je suis partie en voyage, là, je rêve, c'est magnifique. On porte à ébullition une belle quantité d'eau, n'est-ce pas? Quando l'acqua bolle. Marina s'occupe de la cuisson. Si monta la pasta. 3 minuti e 4. 3 minuti, questa ha bisogno di 3-4 minuti, sì. Alors, allez-y, chef. Moi, je vais profiter pour saluer mes copines qui sont juste en face. J'ai fait des dégâts, vous inquiétez pas, on va ramasser ça tout à l'heure. Et puis, il y a une partie de l'équipe aussi qui est dans le public. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. Ciao. On fait quoi, les filles, tout à l'heure? Alors, nous, on va parler d'un opéra qui se monte ici à Ajaccio. C'est l'opéra Carmen que vous connaissez bien. Hein. C'est un opéra qui veut justement démocratiser tout ce monde-là. Moi, on change complètement de thématique. Vous êtes sûrement au courant. On change les horodateurs. Pas de panique. Pas de panique. Je vais vous prouver que c'est pas si terrible que ça. Et tout, Marina, di cosa parli? Beh, come parliamo di l'opera, va già parlare di un teatro appena scordato, un teatro San Gabriel in Ajaccio. Voilà, vous savez tout. Quel plaisir, les filles, sur ce plateau. On est en train de parler corse, italien et français. On va faire une partie en croate aussi, si vous le voulez bien. Hein. Mais je pense que Mirko est croate. Mirko, non, mais croate, si. Et voilà, j'ai tout dit. Allez-y, chef, je vous laisse continuer. Vous savez très bien qu'on se sépare quelques petites minutes. Allez, cette séparation sera douloureuse, mais pas très longue. Je vais vous laisser en compagnie de Frédéric Danesi, qui va vous présenter un flash en langue corse. Il y aura aussi une météo en langue corse. Nous allons profiter des 2 minutes qui nous restent pour avancer le travail, pour vous montrer éventuellement encore une fois la palette recette. Comme ça, vous avez le temps de noter tous ces ingrédients. L'émission est à voir et à revoir sur YouTube dès ce soir ou au plus tard demain matin. On explique la recette en italien et en français. Et en corse aussi. Allons-y, chef. Donc, la cuisson,
3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Mentre possiamo già abbinare i prodotti. Très bien. Mi dà la mano? Oui, bien sûr, mais je suis le petit commis. Hein. Je vais vous aider. Je profite, donnez-nous quelques petites explications sur cette belle semaine du cinéma. Donc voilà, notre chef fait l'honneur avec un pizzaïolo attitré de venir proposer et de complètement bouleverser notre cuisine de l'hostel pour faire une véritable trattoria italienne, comme s'il s'ensuit avec... avec un joli nappage en rouge et blanc, génial. Une décoration 100% italienne, la femme du chef qui sera à mes côtés pour pouvoir prendre les commandes en italien et faire cette passation italienne. Donc voilà, on va pouvoir chanter des jolies musiques d'ambiance, un petit peu d'orchestre également. On a prévu pas mal de petites choses. C'est autour super. De l'Italie pour faire et, vivre. Et il me semble qu'il y a un bon pizzaiolo d'ailleurs qui est oui, en public. Oui, il est pas loin, il est pas loin notre pizzaiolo. Qui est votre pizzaiolo? Comment il s'appelle? C'est notre ami. Votre nom? Ariane. On se connaît depuis peu, mais c'est quelque chose. Directement da me in Italia. Si. Un grand pizzaiolo. Il va nous faire quoi, des pizzas géantes? Non, des pizzas dans la pure traditionnalité, mais on va travailler des pâtes fraîches. On va avoir une pâte à pizza qui va être réalisée avec un vrai pétrin sur place, une sauce tomate 100% bio sur place également. Donc voilà, on a plein d'atouts. Génial. Pour pouvoir valoriser tout ça, en tout cas. Génial. Nous, on continue pendant cette pause. Allez, on avance peut-être avec. Les pâtes en cuisson et on va commencer les condiments, chef. On peut. Allez-y, chef. Tout de suite, donc, Frédéric Danesi. Le travail continue. On se retrouve à 12h05. Bon appétit si vous êtes à table. Restez gourmands. Bon appétit. Ciao. À tout de suite.